Quelle est la mission ? Ta mission est d'aller poser ton cul où il faut, sans poser de questions, merdeux. Servir est mon devoir. Qu'une mauvaise blague. Il est quelque part, mais où ? Minute, je crois que... Qu'il est passé par ici. Jamais un moment de tranquillité. Le seigneur Guillaume de Roussel a généreusement accepté notre prix de 4 dixièmes. Un acte empreint de désespoir. Et pour le prêtre ? Il va consentir. Ta confiance est contagieuse, Sivert. Mes hommes vont préparer la carriole. Voilà les détails. Veille à ce que tout se passe bien. Entendu. Veille à ce que tout se passe bien, crétin. À l'aide ! Au meurtre ! Faut toujours que ces chiens les gardent du corps. Alors ? La prochaine fois, ne lui laisse pas le temps de crier. Pourquoi on reste ici alors que Sivert est toujours en vie ? Il a tué Monsieur de la Serre ! Sois patient, Sivert n'est pas notre cible. Pas aujourd'hui. Ces chiens sont trop nombreux. Donnez l'alerte ! Il y a un intrus ! Ce n'est pas normal. Abattez-moi ce singe ! Allons-y. Des preuves. Arnaud, comment te portes-tu? Ça ne me dit rien qui va. Bonjour, citoyen. Comment vas-tu? Bon, dépêchons, hein.
Ces abrutis veulent se battre avec tout le monde. Tâche de ne pas attirer leur attention. Et si on leur donnait une leçon? Arrête-les. Évite-les, peu importe. Les fanatiques, ça court les rues. Alors tu sauveras pas tout le monde, merdeux. Tu sais toujours trouver les mots justes. Debout, tout le monde! Rémi a trouvé le corps de Monsieur Arpillon dans une cour à deux pas d'ici. Il s'est fait égorger. Ah, Arnaud, je vois que tu as enfin été récompensé pour tes actions. Bon séjour en enfer. Ça, c'est une affaire pour la garde. Doucement, merdeux. Tu vas blesser quelqu'un. De dire quoi que ce soit, alors. Faire une pause ? Passez derrière ! Essayez de passer derrière lui ! Fais tourner, j'en rougirai. Qu'est-ce qui se passe ? Tu veux faire une pause ? Voilà l'homme que j'espérais voir. Allons-y ! Je ne peux pas le croire. Cela fait un an qu'on n'a pas vu Siver. Et tu le laisses partir? Tout ça parce que son nom n'est pas écrit sur un bout de papier? C'est pas le bon moment. Trop de choses à prendre en compte. Trop de choses qu'on ne contrôle pas. Et s'il disparaît de nouveau? S'il se tient au programme qu'on a trouvé, il sera demain à Notre-Dame. Tu aurais pu me le dire plus tôt? Arnaud. Et maintenant, que fait-on? On donne ce registre des Templiers à Mirabeau pour qu'il s'empresse de ne rien en faire. Tu n'as pas l'air de beaucoup l'apprécier. C'est un politicien. Il se prend pour un grand homme de paix. Il se croit capable de mettre terme à la guerre entre assassins Arnaud, et Templiers. Comment te portes-tu? De pacifier la révolution et de persuader chiens et chats de vivre en bonne entente. Et c'est mal? C'est une chimère qui n'existe que dans sa tête. Les Templiers n'ont jamais été aussi faibles depuis la mort de Jacques de Molay. Et nous faisons la chasse à de misérables contrebandiers. Tout ça parce que Mirabeau veut entrer dans l'histoire. Monsieur de la Serre pensait qu'une trêve était possible? Regarde où ça l'a mené. Bonjour, mon ami. Trois autres Templiers ont été tués cette nuit. Pas par nous. Les Templiers ont pris l'habitude de s'entretuer depuis 89. Une guerre civile chez les Templiers. Ça nous facilite la tâche, ou ça la rend encore plus compliquée?
Les hommes de la ferme générale peuvent dormir en paix. Harpinon est mort. Il me semblait un peu limité pour extorquer des nobles emprisonnés. Qu'est-ce que les Templiers préparent ? Si cette maudite trêve ne nous liait pas les mains depuis un an, nous le saurions. Il n'a pas tort, Honoré. Cette trêve avait été conclue avec le grand maître de la serre. Et cela fait 2 ans qu'il est mort. Quel que soit leur nouveau chef, je suis certaine qu'ils ne se tournent pas les pouces. Nous en aurions peut-être appris davantage en capturant Siver. Siver était là-bas ? Je sais que la paix est une chose qui vous tient à cœur. Mais il serait sans doute utile de faire payer son crime au meurtrier de Monsieur de la Serre, n'est-ce pas ? Oui, en effet. Tant que tu n'essaies pas de faire passer ta vengeance personnelle pour une bonne stratégie. S'il veut tuer des Templiers, laissons-le tuer des Templiers. Je lui ai appris tout ce que je sais. Il est prêt. Fort bien. Assassin. Tu vas te rendre à Notre-Dame de Paris. Et tu y trouveras l'agent des Templiers, Charles Gabriel Siver. Tu apprendras ses secrets, et une fois ta tâche accomplie, tu lui apporteras la paix, comme le dictent nos préceptes.